Bonsoir, nous vous souhaitons la bienvenue donc à cette nouvelle séance du cycle L'alchimie du cinéma qui va vous être présentée par Stéphane Grosbeau qui anime donc ce ciné-club depuis presque un an, je crois, à la Filmothèque. Voilà, c'est un cycle aux frontières de l'humain qui vous permettra, outre Métropolis, de revoir donc Blade Runner de Ridley Scott le mardi 17 mars à 20h, ainsi que AI, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg, le mardi 21 avril, au même horaire, à 20h. Bon, merci à François et à la Filmothèque d'accueillir ce Ciné Club. Alors, on a une double programmation, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'on puisse, dans la logique des Ciné Club, échanger ensemble sur le film. Alors, je vais vous expliquer en 5 minutes un petit peu le cadre de discussion que je vous propose. Vous présentez le film, et qu'après, on a jusqu'à minuit pour ceux qui veulent pour échanger. Alors, pourquoi j'ai appelé ça l'alchimie du cinéma? Bon, un film fonctionne quand il y a une très bonne alchimie entre un bon réalisateur, de bons acteurs, une belle musique. Hein. On dit ça, donc l'alchimie, ça passe, et ce film, on a envie de le revoir. Donc, le mot alchimie, moi je pars du principe que dans l'alchimie, il y a des couleurs, nous sommes le cinéma, il y a des couleurs qui sont le noir, le blanc, et le rouge, et c'est des couleurs, elles ont des effets sur nous, et c'était des couleurs qui étaient propres à l'alchimie aussi au Moyen-Âge. Je pars de l'idée que l'image que l'on voit, c'est l'anagramme de magie. C'est-à-dire que les images, elles nous emportent dans des mondes, alors, surtout les trois films qui ont été choisis. On va sortir de l'espace-temps pour aller dans un autre univers. Tu préfères la demi-lune? Ah, tu peux, ouais, c'est bien, pas de soucis. Alors, vous voyez par exemple, une image d'alchimie médiévale, c'est-à-dire que depuis le temps, on a enseigné avant le cinéma avec des images. Et quelqu'un qui s'appelle Jung, donc c'est une des références du cadre d'analyse que je propose, a travaillé sur les images des rêves et a travaillé sur les principes de synchronicité. Quelqu'un comme Joseph Campbell a dit que la plupart des histoires qu'on raconte sont structurées en 3 temps. En général, il y a la chute du héros, les épreuves et le retour. 3 étapes. Et on a retrouvé ça, bien entendu, dans Star Wars et dans beaucoup de choses. Métropolis est structuré sur le 2, vous allez voir, mais il y a quand même une idée du parcours d'un personnage aussi en 3 étapes. Alors, la thématique que je vous propose, hein, elle va s'éclairer bien entendu quand vous verrez les 3 films, parce que ces 3 films construisent une réflexion sur, alors, vraiment le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le cinéma est un peu intemporel. Alors, pour vous donner des éléments, c'est, est-ce que la machine, c'est un outil du progrès? Est-ce que finalement, les machines, elles ont été faites pour remplacer les esclaves humains? Mais est-ce que, du coup, nous, on n'est pas esclaves des machines. Est-ce que la machine s'humanise, c'est bien, pas bien? Est-ce que la machine est capable de se révolter? Est-ce qu'elle est capable d'amour? On parle de machine affective de plus en plus. Je vous montrerai dans ce film-là, on est au cœur de la problématique de la machine désirante et l'idée de robots qui vont remplacer les humains. Ça, on le verra vraiment dans AI, hein, le deuil d'un enfant fait qu'on remplace cet enfant par un robot. Qu'est-ce que ça dénote? Alors, bien entendu, moi, derrière ça, je vais un peu dénoncer les idéologies. Donc là, moi, le cadre d'analyse que j'ai, c'est un cadre très large que je vais appeler le symbolique, qui est lié à Jung, mais pas que à Jung. Alors, tout bêtement, voilà, aujourd'hui, on est dans une crise de société, une crise écologique. Et il y a des gens qui pensent pour nous une nouvelle idéologie qui s'appelle le transhumanisme, dont les 3 films qu'on va voir vont poser des jalons. Mais des jalons, pas forcément des jalons pro-transhumanisme, mais ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'humain et de la frontière de l'humain avec la machine. Voilà, hein, c'est tous les thèmes qu'on va aborder avec ces 3 films. Alors, pour revenir à la présentation de Fritz Lang, là vous allez pouvoir creuser le personnage de Fritz Lang, puisque la Filmothèque vous propose de revoir son œuvre. Alors, quelques clés de lecture. Fritz Lang, il vient à Paris. Il fait des études d'architecture, vous voyez, c'est pas innocent. Vous verrez ce qui se passe dans Métropolis, le design des tours. C'est un peintre, Fritz Lang. Et c'est vrai que ses premiers films, notamment La mort silencieuse, c'est conçu comme des peintures. Hein. Il fait des scénarios en Allemagne, il va faire des films muets et parlants. Métropolis 1927, c'est un des derniers films muets qu'il va faire. Et il est ce qu'on appelle, comme Kubrick ou comme Georges Clouzot, des cinéastes démiurges. Le démiurge, c'est celui qui recrée un monde et qui est un peu un dictateur sur son tournage. Il veut que tout fonctionne comme il veut. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, dans sa vie, va connaître énormément d'exil. Il va passer à Paris, aux États-Unis, revenir en Allemagne. Voilà. Alors pour beaucoup de gens, Jean Louchet a fait beaucoup d'analyses très savantes sur Fritz Lang. Effectivement, ça peut coller avec Freud, hein, sur le thème de la folie, du crime, de la loi. Effectivement, il y a une lecture freudienne possible qui ne sera pas la mienne ce soir. Alors, par contre, moi, sur le thème de l'alchimie et de la mythologie, c'est voilà, hein, Leni Bindungen,
mythologie nordique. Alors, dans tous ces films, c'est-à-dire Règlement de compte qui passe ici et M le maudit, on a une dialectique du coupable et de l'innocent. Hein. Jean Bouchet disait, chez Lang, on est coupable d'être innocent et innocent d'être coupable. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir cette... comme il questionne cette dialectique. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Lang parle d'un thème qui est la question du mal. Et ce mal, il a son personnage, Mabuse. Il va y avoir trois Mabuses. C'est intéressant, c'est qu'on est... le diabolique docteur Mabuse, que j'ai revu ici, va clôturer la filmographie de Fritz Lang. Et c'est pas vraiment, par rapport à notre époque, sur la question de... Il y a un côté visionnaire chez Lang, hein, de la façon dont le mal va se transformer à travers les machines, à travers la vidéosurveillance et à travers beaucoup de choses qui nous sont vraiment d'actualité aujourd'hui. Alors, sur ce film-là, et sur d'autres, hein, comme Edwin Gunn, comme La femme dans la lune... aussi des espions, il a rencontré une femme qui s'appelle Théa von Arbou, et on les voit là en train de travailler. Donc c'est un couple, ils s'aiment et ils créent ensemble. Donc effectivement, il y a une espèce de complémentarité, et vous allez voir que le film nous parle de la question de l'unité perdue, de la complémentarité possible. Hein. Voilà. Alors derrière tout ça, Théa von Arbou, elle va adhérer au parti nazi, à un moment donné, donc il va y avoir une rupture entre les deux. Fritz Lang va faire des films comme Les bourreaux meurent au sud, qui sont franchement des films anti-nazis. Et la question de l'ombre, c'est-à-dire le démon allemand, hein, la question des démons qui est présent dans le romantisme allemand, Lothar Eisner parle de l'écran démoniaque avec l'expressionnisme, hein, comment effectivement on fait revenir tous ces monstres à la surface pour peut-être mieux les exorciser, mais en même temps, effectivement, l'histoire va être plus forte que la fiction avec le nazisme. Et là, on va en parler. Et Lang, il dit dans un documentaire que sa perception est visuelle. Lui, c'est quelqu'un qui... Il est peintre. Et vous allez voir que dans ce film-là, qui est un film muet, il vous propose une expérience visuelle, plus que intellectuelle. C'est ça qui est intéressant. Alors, il a pu faire ça grâce à ce monsieur, Eric Pommer, de la UFA, qui est un grand producteur, qui a permis de faire de grands films, notamment les Nibelungen. Un film dantesque, il y a 8 rôles titres, 36 000 figurants, 200 000 costumes, ça a coûté 5 millions de Reichsmark, à peu près 30 millions d'euros aujourd'hui, 310 jours de tournage, et alors, certains disent que c'est le dernier film expressionniste, et peut-être le premier film de science-fiction, vous allez voir ce soir. Alors, qui l'a déjà vu, par exemple ? Quand même un petit peu, ouais. Alors, qui a vu la version qu'on va voir, la version intégrale, hein, voilà, qui est, parce qu'il y a eu deux DVD qui sont sortis en 2008, mais ce n'est pas la version intégrale. Et 2011, on trouve à Buenos Aires quelque chose. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce film, c'est un échec. Ça ne marche pas du tout. Par contre, c'est culte, puisque la Cinémathèque française, quand elle va ouvrir, va commencer. Parce que Langlois avait récupéré tout un tas d'archives de Fritz Lang, notamment vous avez des très très beaux dessins, hein, de design de la ville, et vous avez le robot féminin que vous pouvez voir toujours à la Cinémathèque française. Voilà. Donc vous voyez, hein, vous connaissez ce personnage, vous voyez, hein, peut-être là, comment des fois on s'inspire de là. Hein. Et voilà, ce que vous allez voir, c'est la version retrouvée à la Cinémathèque de Buenos Aires par un critique qui a retrouvé ça, et effectivement, il y avait une demi-heure qui manquait. Complexifie peut-être un peu le film, on va voir. Alors, est-ce que certains ont vu ça? Très très étonnant, ça n'existe plus en DVD, en VHS, c'est Giorgio Moroder qui fait des musiques de films et qui à un moment donné va mettre en musique Metropolis. C'est pas mal, bon, il y avait Frédéric Mercury qui va chanter L'amour tue, bon, c'est intéressant, et ça a permis à un moment donné que le film soit toujours montré. Après, il a disparu parce que c'est quand même très kitsch. Hein, mais voilà. Alors, ce film est classé à des premiers films. Vous voyez, c'est pas quand on parle d'inconscient collectif, parce que je pense que c'est un film qui touche à ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Et ça a été reconnu par l'UNESCO, puisqu'en fait, c'est un des premiers films qui est classé Mémoire du monde en 92. Voilà. Alors, la musique que vous allez écouter, qui est la musique non pas de Freddie Mercury et de Giorgio Moroder, heureusement, c'est la BO de Gottfried Huppertz. Et lui, il va s'inspirer, bien entendu, bah, du romantisme allemand, hein, de Wagner et de Strauss, notamment. Voilà. Ce film, alors, il est remonté aux États-Unis, parce qu'en fait, comme ça ne marche pas bien en Allemagne, il est trop long, on coupe des scènes, et aux États-Unis, on va simplifier. Ça veut dire qu'il y a un mec qui s'appelle Shannon Pollock, qui va couper des choses, qui va faire que l'intrigue, c'est une variation sur le mythe de Frankenstein. Vous allez voir que c'est pas du tout ça que vous allez voir. C'est autre chose, beaucoup plus complexe, sur les rapports hommes-femmes et les rapports humains. Voilà, alors, qu'est-ce qui reste de l'expressionnisme dans le film? Notamment le jeu un peu outré de Maria, hein, l'expressionnisme, c'est ça, c'est mettre en avant, chez Caligari, on voit bien, les tourments de l'âme humaine par quelque chose qui est proche de la pantomime. Voilà. Et donc, ce film a été très clivant, très très clivant. Wells dit, le film le plus stupide que j'ai vu, il concentre tous les clichés sur le progrès servi avec un sirop de bons sentiments. Voilà.
et Louise Bunmel, le plus merveilleux livre du BH qui se puisse proposer. Voilà. Donc vous, bah, vous allez vous faire votre avis hein, à travers ça. Juste pour vous dire que ce film, quand je parlais d'inconscient et comment il a marqué les gens, il y a quelqu'un qui s'appelle Tezuka. Tezuka, il ne voit juste, il voit l'affiche du film. Il ne voit pas le film, il voit le titre. Et ça lui donne l'idée de faire son premier manga qui s'appelle Metropolis, qui est une variation sur la création d'un enfant. Et c'est lié au film qu'on va voir à la fin, A.I., hein, d'après Barry Adlis. Et Adlis, quand il fait Super Toys, il s'inspire de Tezuka. Alors ce qui est intéressant, c'est que Rintaro, lui, il fait le film, le manga Metropolis. Je sais pas, vous l'avez vu pour certains d'entre vous ? Très intéressant, parce que c'est une synthèse entre le Metropolis de Lang et le Metropolis de Tezuka. Voilà. Et donc c'est la grande question, est-ce que le robot c'est une âme, ou est-ce que c'est une super arme, une super âme hein, c'est la même question pour les super-héros, on peut se poser. Voilà. Un livre très intéressant, moi qui m'a donné une clé de lecture en bande dessinée, hein, par le grand scénariste Serge Lehmann, hein, que je vous invite à lire en 4 tomes chez Delcourt. Et vous allez voir à la fin, parce que je vous donnerai ma petite conclusion, bah, Lehmann, je pense qu'il a compris quelque chose de ce que veut dire Metropolis. Mais ça, on verra à la fin, parce que je vais vous laisser aussi parler. Alors, votre petit travail, si vous l'acceptez, simplement, c'est de regarder le film. Je ne vais pas rentrer dans est-ce que vous avez aimé ou pas aimé. Quelque part, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé hein, de vous dire ça cache, comme ça c'est clair. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que les personnages, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces personnages? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Et un personnage, c'est un masque. Qu'est-ce qu'il cache, le personnage? C'est des archétypes. Ils représentent autre chose qu'eux-mêmes. Donc, on aura une discussion là-dessus. Ensuite, je vous montrerai quelques images du film. Et ces images, elles renvoient à des symboles. Je vous poserai la question, et puis moi je vous donnerai quelques éléments. Et à la fin, j'essaierai, avec vous, parce que vous allez voir que d'emblée, on vous donne le sens du film. Vous allez le voir, on vous le redonne 3 fois. Sauf que comment vous allez le comprendre? Donc ça sera l'objet de la 3e partie de la discussion. Qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, consciemment ou non? Parce que Lang, à un moment donné, il dit ce film, mais c'est naze ce que j'ai fait, c'est trop. Et après, à la fin de sa vie, j'ai trouvé une citation de Fritz Lang à la fin de sa vie qui montre que c'était pas si naze que ça. Ça a eu un sens à un moment donné dans son cheminement. Parce que le cinéma, si vous voulez, c'est quelque chose qui parle de quelqu'un, qui parle de sa vie et qui, à travers sa vie, essaie de faire écho à votre vie et de voir comment ces vies-là, elles répondent à ce que Jung appelait l'âme du monde. Voilà. Bon travail et bon tournage. On se revoit dans 2h30. Hein. C'est un petit échange film culte. Ça c'est les aléas de direct. Image. Parce que l'idée c'est que je vous commande des images. Du coup là, un écran blanc, ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas si en cabine, si on m'écoute, on va essayer de rétablir le. Il n'y a plus personne en cabine.
Donc je vais être obligé de vous quitter deux secondes. Ce genre de... Ça va prendre deux secondes. J'espère, mais moi... Ah, ça a disparu. Je vais en passer à côté parce que j'ai perdu une... quelque chose. Attendez, je vais... Hop, non, mais je vais... Vous avez trouvé ? C'est quoi vous faire ? Une casquette. Ah, la casquette ? Ah oui, c'est ça. Merci. Voilà, je vous laisse cette partie. Bon, un volet s'était refermé par la gifle. Il s'est réouvert, donc tout va bien. Donc tout ça va être filmé, hein. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez toutes les séances précédentes. Donc je vais refaire un petit laïus pour la vidéo, que ça fasse un peu, on enchaîne normalement, quoi. Donc après cette projection de ce film culte, on va discuter un petit peu, voir un peu les personnages. Donc les personnages, persona, les masques, qu'est-ce que nous cachent ces différents personnages. Donc, on va commencer par le personnage de Freder, qui est, on va dire, assez étonnant. Donc je vous laisse vous exprimer sur ce personnage. Donc là, juste, vous levez le doigt et vous parlez assez fort, de façon à ce que on puisse vous entendre au niveau de la caméra. Monsieur. Pourquoi est-il maquillé ? Alors, pourquoi est-il maquillé ? Ben, on est dans des films expressionnistes. Donc l'expressionnisme, c'est... Alors, il est plutôt... On dirait que c'est une espèce de clown blanc. Donc on est sur des sentiments qu'on va exacerber, quelle que ce soit la pureté, ou alors au contraire, la folie. Vous voyez, on voit avec Rodvang, lui, il est effectivement un maquillage, même il surjoue, on est d'accord. Et donc comme on n'a pas la parole, le temps du film muet, c'était effectivement l'expression, alors vous avez ça dans Caligari, puissance 10, hein. Celui-là, il y a des moments de pantomime qui sont assez étonnants. Donc c'est des personnages qui sont surexprimés, effectivement. Voilà. Alors, d'autres réflexions, interventions sur ce personnage. En fait, qu'est-ce qu'il symbolise, qu'est-ce qu'il représente dans le film ? Monsieur ? Moi, je pense qu'il représente le sauveur. Oui. Parce que Freder, je pense, c'est coupé, c'est frère. Oui. Et Bruder, en allemand. Ah, très bien. Donc, il est le frère de toute l'humanité. Il est le lien entre la tête et les gens d'en bas. Oui. Voilà. Donc, effectivement, déjà, vous avez très bien vu, monsieur. L'idée de fraternité, du frère, ouais. C'est déjà dans le nom. C'est-à-dire que le nom est programmatique de la mission de ce personnage, qui serait une forme d'élu. Voilà. Pas parce que d'autres points de vue là-dessus. On peut dire d'autres choses hein, sur ce personnage. Bah, alors, je vais enchaîner, hein, si vous voulez. Voilà, une figure de l'élu. Vous imaginez bien le parallèle entre Matrix... Et le film que vous venez de voir, hein, avec Zion, le monde souterrain, Neo, le neuf, l'homme neuf, l'élu, ça vous bien vu ça, voilà. Bon, j'ai quand même une petite préférence quand même pour ce qu'on vient de voir là. Hein, voilà. En termes de violence, c'est-à-dire que là, en aucun cas, notre Freder va prendre les armes. Effectivement, il subit ça un petit peu, puis à la fin, il est dans un peu dans une posture de héros. Mais bon, Matrix, c'est quand même un film hyper violent. Qui reprend les codes. Alors c'est intéressant parce qu'on a dans Matrix de la néognose qui revient, et là on a dans ce film-là, en 1927, la prémisse de ça. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant. Alors, cette image, qu'est-ce qu'elle peut évoquer ? Bon, j'ai mis une indication, mais voilà. C'est quand même étonnant cette image. Comment vous la comprenez, vous ? Alors, à la fois sur le plan littéral, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut représenter ? Arrêter le temps. Oui, la question du temps. Hein, ça, c'est pas fou. Hein. Et d'un autre côté, ce mécanisme, il a une fonction, puisqu'en fait, il s'agit de refroidir une machine qui peut exploser à tout moment. Hein. Donc, effectivement, il y a la question du temps, de maîtriser le temps. Et là, on a bien l'idée que le temps, de toute façon, nous tue. On est bien d'accord. Donc là, c'est quelque part illusoire. Et on a presque l'image d'un calvaire. Hein. Le personnage est presque crucifié. Alors, quand on dit crucifié, bah, forcément... Alors, est-ce que vous aviez pensé à lui ? Alors, pourquoi je fais... Alors, je vous ai mis une image, en plus, de Tezuka. Tezuka, c'est celui qui a dessiné Metropolis. Mais il a décidé quelque chose de magnifique, qui est réédité chez Delcourt en ce moment, qui est la vie de Bouddha,
en 4 tomes. Je vous conseille de lire ça, c'est fabuleux. Le médiateur, hein, c'est-à-dire l'idée que le cerveau et les mains veulent s'unir, mais il leur manque le cœur. Et c'est dit 3 fois dans le film, parce que le film est structuré en 3 étapes. Entre le cerveau et les mains, le médiateur doit être le cœur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très étonnant. Sur cette symbolique du cœur et des 3 sens, c'est-à-dire la tête, les mains, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'union, qu'est-ce qui se passe après finalement? Comment vous imaginez, je peux me poser la question comme ça, l'image d'après, une fois qu'on a donné ce programme, qui est presque un programme politique, qu'est-ce qui se passe pour que ça change? Est-ce que vous avez une idée? Comment on en pratique cette belle idée? En fait, je trouve que justement, il ne donne aucune solution parce qu'effectivement, il aboutit à cette espèce de poignée de main qui est encourageante. Mais pour moi, ça me fait penser à Snowpiercer où, quand ils arrivent au bout du wagon, ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas forcément de solution. Et il se trouve, bon, il donne une solution à la fin de ce film-là en disant finalement, les gens peuvent ressortir parce que la période de glace est terminée. Mais là, en l'occurrence, En fait, je trouve qu'ils n'abordent pas du tout le fait que, quand même, la révolution industrielle, avec, même si ça a conduit à du travail à la chaîne, etc., ça a quand même permis à énormément de personnes de sortir d'une situation de détresse. Là je vois que vous mettez le tiers état, etc., une situation qui correspondait plutôt à celle de l'ancien régime, où, quand même, l'espérance de vie était bien plus faible, où il y avait une situation qui était beaucoup plus grave pour plein de personnes, en tout cas par rapport aux années 20. Ok, ça semble quand même un peu faire référence. Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'au niveau historique, vous avez raison, il y a un vrai progrès technologique. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a une machine, une invention, il y a une ombre de ce progrès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que l'on veut montrer, peut-être, c'est à la fois quelque chose qui a permis... Bon, ces gens, ils ont des enfants, ils ont des familles. Ok, mais alors, c'est l'idée aussi... Alors après, il y a la vision marxiste, donc il y en a qui en profitent plus que d'autres. Hein. Il y a l'idée de la tour de Babel en disant qu'il y a une disharmonie entre les êtres humains, une incompréhension, et je pense que ce qui se partage le moins, c'est la question de la connaissance. C'est-à-dire aujourd'hui, qui a la connaissance? Est-ce que les hommes politiques ont la connaissance? Est-ce que l'élite scientifique a la connaissance? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, qui mérite d'être abordé. Par exemple, il y a un mot qui est très très mal aujourd'hui servi, qui revient, il y a quelqu'un qui s'appelle Pacom Kielman, qui est venu, qui est sur le Cinéclub, sur Twin Peaks, et Pacom travaille beaucoup pour réhabiliter le mot gnose. Et ça, c'est fondamental que vous travailliez sur ce mot. Hein. Les gnostiques étaient des gens qui avaient une vision du monde non dualiste, justement. Et ça, c'est important, parce que ça a été zappé par le siècle des Lumières, et ça revient aujourd'hui. Alors, et c'est, si vous voulez, sur la notion du croix. Alors la notion du 3, je vais rebondir sur ce que vous dites, avec cette idée qu'à un moment donné, dans les sociétés traditionnelles du Mésil, il y avait 3 niveaux. Hein, il y avait ceux qui prient, il y avait ceux qui font la guerre, et puis il y avait ceux qui travaillent. Bon, ça ne correspond pas tout à fait à ce que veut dire Fritz Lang, d'accord? Mais il y a l'idée de... Bon, c'est pas génial ça, parce qu'en fait, même en Inde, on a des castes, on est prisonnier d'un système. Hein, le système des castes que Lang a vu dans le monde hindou, c'est pas top, parce qu'à un moment donné, voilà, on est quand même prisonnier. Comment on sort de sa condition? Alors là, il faut rentrer dans ce qu'on va appeler plus la littérature ésotérique. Un des premiers qui va essayer de montrer, c'est que l'homme, en fait, il est quoi l'homme? Il a 3 niveaux. Hein. Il a un corps, une âme et un esprit. Et il a une tête, un cœur et un bassin. 3 centres de conscience. Un des premiers qui en parle, c'est Fabre d'Olivier, hein, qui va, comme par hasard, traduire les vers dorés de Pythagore. Quand je vous ai parlé de la figure du pentagramme, c'est Pythagore. Oui. Donc là, pour trouver le sens enfin, que je vous propose, il faut se reconnecter à ce savoir mathématique. Mais les mathématiques chez Pythagore étaient liées au sacré. C'était la science du microcosme, l'homme comme un petit monde, mais qui était relié au macrocosme. Et ça, les alchimistes du Moyen-Âge vont le remettre en œuvre à travers des images. Et donc, en fait, lui, il va parler de 3 forces. Les maîtres, ça serait la providence. Le destin, ça serait les ouvriers. Pensez à... la force du destin de Verdi, enfin tout ces choses-là. Et au milieu, il y aurait la volonté humaine. Il y aurait le cœur. Alors, la volonté, c'est très bizarre, parce que la volonté, souvent, on la met aussi du côté des ouvriers, avec la volonté. Donc là, c'est quelque chose qui ne colle pas non plus avec Fritz Lang. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Alors après, il y a un truc très ambigu, qui s'appelle la synarchie.
un mec qui s'appelle Saint-Yves d'Alvèdre, et qui dit exactement la même chose que Lang. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut unir les forces, il faut unir le capital, le travail. Et donc, ça donne ça. Ça donne la conjonction des opposés. Les deux triangles, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le film, ils y sont les deux triangles. Au début, quand on vous décrit le monde des ouvriers, les intertitres sont dans un triangle qui descend. Quand on vous décrit le monde des maîtres, les intertitres sont dans un triangle qui monte. Qu'est-ce que fait Saint-Yves d'Alvèdre? Ça, c'est vrai, le vrai symbole de la synarchie. Et est-ce que vous savez ce que c'est que ce symbole-là? Est-ce que vous connaissez son nom? Il a deux noms. Hein? Alors, vous allez repartir avec deux symboles ce soir. Hein? C'est intéressant de travailler sur les symboles, justement. Vous avez le pentagramme, avec la tête en haut, et vous avez celui-là. Alors, ça vous parle quand même, les deux triangles. L'étoile de David. Donc je refais le lien autour de la question de la tripartition sociale. Donc là, les trois fonctions telles que expliquées par Steiner dans les années 20. À savoir que, en fait, quand on applique un principe, le principe de la liberté, on est par exemple dans le libéralisme. L'égalité, on est dans le socialisme. Et la fraternité, on est dans le communisme. Et ce principe, on veut l'appliquer. Alors il va parler de la vie de l'esprit, c'est-à-dire la culture, la vie économique et l'État. Donc effectivement, souvent, il y a une idée, c'est l'idéologie, qui va s'appliquer à tout. Et donc on va avoir un système libéral, on veut mettre de la liberté partout. Et Steiner, il dit non, il faut à chaque niveau, les trois principes, liberté, égalité, fraternité, les appliquer à un seul secteur de la vie. C'est un peu ça, c'est-à-dire chacun sa place et en unité. C'est-à-dire d'un côté, eh bien, effectivement, si je reprends... la vie de l'esprit, l'autogestion, la liberté, la culture, l'autogestion culturelle, l'égalité, l'égalité de droit, l'égalité démocratique, donc l'État, les lois juridiques, et la fraternité, c'est ce qui se développe aujourd'hui, remarquez. L'économie sociale et solidaire, c'est pas autre chose qu'à un moment donné, des gens qui créent des emplois en dehors du système étatique aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant. Donc c'est l'idée de... Alors, cette idée de fraternité, elle est fondamentale. C'est ce que Lang peut-être veut montrer, c'est qu'à un moment donné... le cœur, c'est ça. Alors, c'est l'humanitarisme, mais c'est aussi... Alors, derrière ça, il y a une conception spirituelle du monde, c'est-à-dire une conception d'un monde ou d'un homme qui est triple. Et chaque chose doit être gérée par quelque chose d'autre. Voilà. Donc, c'est quelque chose que peut-être Lang essaie de montrer. Alors, je vais essayer de vous redonner un sens à tout ça. Si je reprends le symbole du pentagramme, qui est dans le film, mais qui est inversé pour caractériser la machine... Donc, à contrario, si on sort de la machine et si on est sur l'image de l'homme de Léonard de Vinci, on est sur l'idée que le cœur, c'est les émotions, c'est le siège de l'âme. La tête, c'est le mental. Mais c'est aussi une pensée paradoxale. Et quand Fritz Lang, il vous aide à penser de façon paradoxale. Quand on a parlé du coupable qui est innocent, du innocent qui est coupable et du bien et du mal, on est dans le paradoxe. Ça serait aussi potentiellement l'esprit. Le bassin, c'est la volonté, c'est les mains, c'est la création. Donc, les trois centres de conscience, chez nous, globalement, ils sont souvent divisés. Alors, je vais être très trivial, lors d'une rencontre amoureuse l'été au bord de la plage, c'est souvent, on va dire, c'est plutôt le bassin qui parle que la tête ou le cœur. Après, une vraie rencontre amoureuse, je fais exprès d'être très trivial et basique là. Et une vraie rencontre de couple, c'est quand vous êtes en harmonie au niveau des émotions, au niveau de la sexualité, et au niveau de la pensée avec votre compagnon. Vous arrivez à une complémentarité. On peut y arriver ou pas, d'ailleurs. Et donc, François ? Oui ? Juste pour te signaler qu'il est 5:00. Ah, donc on va clôturer. Non, 5 minutes. Non. Tu as encore 5 minutes. 5 minutes. Mais ça tombe bien, je suis à la fin. Donc, voilà, on arrive à la fin. Tout ça pour vous dire que ces trois centres de conscience, quand ils sont divisés, divisés, c'est diabolus, c'est la division. Et quand ils sont réunifiés, on est dans le symbolique. Voilà. Et pour conclure, qu'est-ce que dit Fritz Lang? Alors, le film, il y a une scène manquante qui a été rajoutée, où il y a l'idée de, en vérité, je vous le dis, proche sur les jours dont parle l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde, c'est la révélation. Vous aviez ce symbole-là. Alors, est-ce que Dieu est absent chez Lang? Effectivement, Fritz Lang, il a évolué. Au début, il était mystique, après, il était anarchiste, il était athée, et à la fin, il s'est beaucoup intéressé au mythe. Sa dernière apparition, c'est chez Jean-Luc Godard, l'adaptation de l'Odyssée. Dans Siegfried, il nous montre la mort de Dieu. Dans Les Trois Lumières, il y a l'absence de Dieu. Et dans l'idée de Métropolis, est-ce que ce n'est pas l'idée d'un Dieu et d'un diable intérieur, finalement? Et que justement, que Lang nous montre aussi que les images nous manipulent.
On voit l'hypnose en abuse. On voit le star system, les nouvelles idoles. Et on voit avec le phénomène de Maria qui devient une nouvelle star et qui envoûte. Et donc, est-ce que la morale de Métropolis, ce n'est pas, comme à un moment donné, que les machines n'ont pas d'âme et les machines ne nous sauveront pas, ce ne sont pas elles les esclaves, mais nous qui sommes potentiellement esclaves de quelque chose. Et peut-être qu'à un moment donné, on peut sortir de ça. Alors, comment a fait Lang? Lui s'est beaucoup intéressé au destin et à la fin de sa vie, il s'intéresse à l'hindouisme. Il a refusé de faire un remake du film, il a fait une suite à Mabuse pour montrer la métamorphose du mal. Et donc, effectivement, ce que nous montre Lang, c'est que la technologie et les machines permettent la métamorphose de cette emprise de la caverne sur les âmes des humains. Et à la fin, il dit quelque chose de très juste, Lang, enfin, par rapport à moi, ce que je pense aussi, je l'ai mis, c'est intéressant, c'est dans l'avant-scène cinéma. À la fin de ma vie, je crois qu'on peut choisir de ne plus subir son destin, et on peut dire son karma, puisqu'en fait, quand il va en Inde, il travaille cette notion de karma qu'on voit dans le tombeau hindou. Voilà. Donc le sens de Métropolis est un sens complexe. Vous voyez, on voit Lang à la fin de sa vie, qui tourne avec Jean Godard, et l'Odyssée. Et qu'est-ce que l'Odyssée, sinon un mythe initiatique d'un homme qui, effectivement, part d'un point, perd sa famille, fait un périple et retrouve une forme de paix et d'unité. Voilà. Donc la suite du périple, pour ceux que ça intéresse, le 17 mars, Blade Runner, et le 21 avril, Intelligence Artificielle. Merci pour votre écoute et votre patience.